Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Minitrap78. Et donc, j'espère que vous allez bien. Et donc, pour commencer ce let's play, je vais faire une map qui s'appelle Herobrine's Return. Alors, c'est une map très connue, téléchargée par pas mal de personnes. Vous allez peut-être dire, oh, ça se trouve, il y a plein de personnes qui ont fait déjà les let's play sur cette map. Et ben, pour un autre point de vue, ben, je voulais le faire moi-même. Ben, mon let's play, mon propre let's play sur cette map. Voilà. Donc je vais commencer. Alors il paraît que c'est bien. Là, elle a l'air de bien marcher la map parce que d'habitude quand je télécharge une map sur mon ordinateur, la plupart du temps ça rame. Et là, ça a l'air de bien marcher et je suis, eh bien je suis très content. Voilà. Alors KB. Donc lui c'est le KA et lui c'est le KB. Alors on va mettre le KA ici. Et le KB ici. Ouais, c'est très ingénieux ça. J'aime bien utiliser une ligne comme ça. Alors, avant de continuer, justement, je voulais vous dire quelque chose. C'est que je peux pas faire de vidéo de plus de 15 minutes. J'ai eu des problèmes de droit d'auteur. Ça veut dire que si je dépasse 15 minutes, ben la YouTube ne peut pas accepter ma vidéo. J'essaie de dans les paramètres de modifier ça, mais tant que le problème de droit d'auteur n'est pas réglé. Eh bien, je peux pas mettre de vidéo de plus 15 minutes. Voilà. Donc, pour l'instant, dès qu'il sera 13 minutes, j'arrêterai parce que le temps d'ajouter le générique de fin de bah, tout simplement du let's play et aussi de le générique du enfin la présentation du début, ça va quand même donner des dizaines de secondes en plus. Donc, ça risque de dépasser 15 minutes. C'est pour ça que je vais essayer d'arrêter la vidéo à vers 12-13 minutes. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, presse le bouton. Commencer l'aventure normal mode, voilà, c'est mode normal. Ouais, donc la difficulté. Donc là, je vais commencer par appuyer sur le bouton. C'est parti pour l'aventure. Ouf, Victor. Ok, wake up, he's back. Il dit levez-vous, levez-vous. Alors, ça, donc calmez-vous, calmez-vous. Donc, on lui dit qu'est-ce qui. Mais qui vous quoi? Alors spit out. Alors ça je sais pas ce que ça veut dire. It's come to seek vengeance. Là il parle d'une vengeance il y a 3 ans. Je vais arrêter. Je vais l'arrêter. Il est ici. Merci Denethor. Bon je m'appelle Denethor. Mais avant tu dois aller. Supplice, un storage. Faut que j'aille. Je sais pas. J'ai pas bien compris. Storage chest. Aller dans son coffre. D'accord. Sympa sa maison. Donc je crois que je vais plutôt dormir, comme ça je reste gardé à cet endroit. Toc, voilà. Et il fait jour. On va attendre une minute parce que je crois que dans cette map il y a quand même des monstres dehors. Donc je vais être sympa avec le mec. Ah mais non, les commandes sont. Ah non, j'ai eu peur. Pourquoi ça a mis. Je crois. Vu que c'est une map assez téléchargée, je pense que le mec il a mis un minimum de précautions. Donc je pense que ça n'a pas été accepté. Ah si, bon, c'est accepté. Allez, on descend. Son coffre. Ouh. Qu'est-ce. Tac tac. Tac tac. Tac tac. Tac. À votre avis, si je prends l'armure. Si je prends l'armure, est-ce que c'est risqué là? Je réfléchis. Bon, soyons fous, on va tout prendre. On trouvera bien un coffre quelque part. Voilà. Et donc les livres, on va les mettre ici. Et moi, je vais m'équiper de l'armure. Et donc, voilà. On va prendre une épée. Unbreaking 10. Alors, je sais plus ce que c'est. Mais je sais déjà que Sharpness, c'est le tranchant de l'épée. Enfin, la puissance, si vous préférez. On va prendre ça. Voilà. Et tac. Voilà. Bon, on va commencer. C'est parti. Ouh, ça commence déjà bien. Il y a déjà des zombies. Un zombie avec un masque leader. C'est vrai que c'est vraiment un mode. Parce que
je sais pas, on dirait vraiment, en fait, il n'y a pas ça dans les Minecraft, il n'y a pas ce truc du Nether 2 là, l'espèce de score derrière, il n'y a pas ça. Et c'est vrai qu'on dirait vraiment un mode, et pourtant, c'est pas un mode. C'est vrai, c'est ça qui rend la map incroyable, c'est qu'il n'y a pas de mode. Et que la map est faite entièrement et basée sur plaque de pression, etc. et mise en forme de la map. Et ça, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, c'est parti. Ouh, il y a du monde en tout cas. Je crois que je vais aller snowboarder. Ça, ils vont pas me. Je vais gagner du temps. Oula, ah non, pas les squelettes, surtout pas. Alors là. Il y en a partout. Oh là là. Ça en finit jamais. Voilà, je suis arrivé à la ville. Arrêtez de me suivre. Bon, il y a les squelettes. Donc ça, on va gagner du temps. Faites me prendre. Oh, regardez. En plus, on récupère ça. Ah oui, il faut que je mange là. Et du coup, non, faut pas que j'avance. C'est bon, ça met en pause. Donc, je suis en difficulté facile. Donc, c'est bon, là, je vois pas le problème. Ouais, donc on s'en fiche de ça, on en a déjà des armures, ça va être encombrant. Ça, on peut le garder éventuellement, franchement. Ça pose pas problème. Donc, alors, on va continuer. On arrive dans. Oh, il y a quelqu'un. On arrive dans cette. Ouf! Oh, Locke! Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici, notre vieil ami? Hérobrine, tu as été battu. Alors franchement, je suis nul. Je sais pas trop. Bah, il faut avoir peut-être. To begin, understand. Je suis revenu, je crois, il avait dit. Non, arrête ça! C'est la chose que j'ai. Oula, ça bug. Ouh, ça bug. Là, il détruit la ville, si je comprends bien. Regardez, c'est incroyable. Il n'y a pas de mode, je peux vous assurer. On dirait vraiment qu'il explose. En fait, il avait mis de la TNT. Ah, non. Bon, je sais, vous avez vu mon fond d'écran. Oh, c'est pas un problème. Alors, je crois que je vais faire une petite ellipse pour régler juste ce problème. Et bon, me revoilà. C'est bon, en fait, c'était un problème de batterie, donc ça fait ralentir le jeu. Je suis sur un PC portable. Donc voilà, c'est pas grave. Donc on revient. Du coup, ça va faire à peu près 7 minutes. Donc dans 4 minutes même pas, on va arrêter normalement. Donc l'air il veut. Attends, je vais essayer de relire un peu là parce que j'ai. Oula! Victor. Oh tiens, il est là, Victor. Salut! Ah, mais tu me donnes la nourriture. Ah, bah j'ai bien fait de le garder. Pour une fois, je fais quelque chose de bien. Donc c'est parfait. Non, on en a notre skin, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien fait, regardez. C'est vraiment très bien organisé. On dirait vraiment mode, et pourtant, je vous le répète, ce n'est pas un mode. La map est tout simplement téléchargeable pour ceux qui ne la connaissent pas. Moi, j'ai fait la suite alors que j'ai même pas fait le 1. Ça, c'est un peu débile. Mais c'est pas grave. Donc, oui, en fait, tout ça, toute cette mise en scène, donc déjà, je sais pas comment il a fait le personnage ici, mais en tout cas, c'était de la TNT, du feu d'artifice et des boules de feu, enfin, des flammes, pour créer cette mise en scène qui est tout simplement vraiment incroyable. Rien à redire dessus. De la bonne nourriture, de ça va être utile pour la nourriture aussi, et une autre épée. En vrai, on est au moins sûr de rien perdre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dépose? Ouais, on va. Je crois que ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer tout ça là-dedans. Ça.
Ah mais je suis bête, j'ai pas lu ça. C'est quoi d'abord? J'essaie de lire, parce que si je lis pas, c'est un peu un manque de respect. Désolé, c'est de l'anglais, donc... Du coup, je suis tombée sur une map anglaise. De toute façon, je vais les mettre dans le coffre. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, c'est en anglais. Et je peux... ça fait perdre du temps. Peut-être que je lirai à la fin de la vidéo. Et pour l'instant, je dépose ça. Alors, c'est déjà... Je pose mon armure. Quoique, je crois que je garde déjà au moins une réserve d'armure. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais bon, on va en faire une comme ça. Voilà. Et c'est bon. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment bien organisé. Hein. Je sais que je me répète, mais franchement, je sais pas comment il a fait le mec. Mais c'est génial. Alors, étape de crafting. Là, il y a une coffre vide. Bon, enfin bref. On va continuer. Là, c'est parti, donc. Il n'y a rien de spécial ici. On va suivre le sentier, hein, parce que je pense que c'est... le chemin qui peut nous aider à tout simplement avancer dans le jeu, j'allais dire. Attends, je rêve où ? Les squelettes, ça je les déteste. Je me protège. Je vais me buter. Oh ya ! Oh purée. Oh, je déteste les squelettes. Je déteste ça. Je vous ai pas dit, mais à quel point je détestais à mort les squelettes. Oh, comme si ça suffisait pas, ils ont mis un squelette. Un creeper. Bon, moi, les armures comme ça, je m'en fiche un peu. Par contre, ça, je crois que ça m'intéresse. Je sais pas si... on s'en fiche. Du coup, j'ai plein de flèches sur ma tête. J'ai pas ramassé de flèches, ok. Vas-y, dégage, vas-y, tiens. Voilà, c'est ça. Viens vers moi. Voilà, c'est fini. Ok. Ça, alors ça, c'est une épaichité. Ça, c'est une vraie épaichité. Vous savez, ce qu'on va faire, c'est que... Ah oui, on peut rien casser. Ah oui, le mec, je crois qu'il l'a mis en mode aventure, c'est pour ça. Ah, il a tout organisé. Ok. Bah, je crois qu'on va quand même déposer ça là. Ce qu'on a fait là. On va déposer... Je sais vraiment pas comment je vais m'organiser pour déposer les objets. Parce que j'ai pas envie de tout perdre. Enfin bref. Donc là je crois qu'on va s'arrêter là. Pour l'instant. Donc le premier épisode j'espère qu'il tout simplement vous a plu. Et donc dans le prochain épisode. J'essaierai de m'organiser. Et puis voilà. Bon allez. Salut.